Je suis celui que je suis, pourtant je suis pas grand chose. Je sais pas si c'est la vie que je suis en écrivant ces proses. Ce que je sais c'est que je me sens mal, l'être humain est odieux. Entre eux, envers tout être, à se prendre pour Dieu. À juger chacune de mes lettres, je sais que chaque acte est sérieux. Depuis que dans mes bras j'ai porté ce petit être qui me ressemble. Tous ces sourires et ces nuits blanches qui nous rassemblent. Les espèces disparaissent et le monde prend feu. À nos enfants, ce qu'on leur laisse, l'humain fait des leçons mais reste le plus honteux. On nous apprend le respect, la gentillesse, mais au final l'homme détruit comme si tout lui appartenait. Comme s'il fallait que rien ne reste. Comme s'il était difficile de comprendre que tout commence par un petit geste. Je vais pas aller me pendre malgré la tristesse, quand je pourrais lui apprendre que dans ce monde il faut éviter l'échec comme la peste. J'ai plus quoi faire, j'ai tout donné. Je suis celui que je suis devenu mais mes principes sont erronés. Je suis un homme, rien de plus, sans fit avec l'erroné. Je suis un homme fier de ce qu'il pense. Vigilance, l'erroné. Un monde pris au piège, j'ai du temps pour chanter, pour s'apprécier, se chambrer. Je reste un, je sais pas combien de temps ça pourrait durer. Ce qui est sûr, c'est tant qu'il y en a à offrir, nous on va donner. Vigilance, l'erroné. On me surnomme l'erroné. Un mec banal, mais un texte exacerbé. Parfois bancal sur certains refrains. Mais faut bien commencer. J'écris pour évacuer les ondes brouillées dans ma tête, c'est vrai. Car vigilance est dans le fit, comme nos avis sont à la fête. À peine t'arrives au monde et déjà tu prends une tarte directe. T'as pas eu le temps de l'ouvrir, t'as frôlé le trauma crânien. Dans ce système enregistré du bon citoyen. Bienvenue dans notre monde crevard, là où tes rêves d'enfant cherchent toujours l'espoir. Plus de dessin, pas de Tintin, et tu seras toujours serein. Dans ce monde manipulé par la télé, sans rien malsain. Va-t-on finir complètement hébété? Et si un vaccin existe, donnez-le à l'humanité. On se souvient des années passées, mais ô combien ont foutu le camp, malheureusement. Mais vont retenir les bons moments pour améliorer nos rites, à nourrir du présent, non? On se souvient des années passées, mais ô combien ont foutu le camp, malheureusement. Mais vont retenir les bons moments pour améliorer nos rites, à nourrir du présent. À 5 ans, je comprenais pas pourquoi je posais autant de questions. Mais maintenant que j'ai les réponses, j'ai des problèmes d'indigestion. À 10 ans, j'ai trop la rage parce que j'ai pas l'âge de faire comme les grands sages qui n'ont pas le même âge. À 13 ans, je crois tout savoir, c'est une évidence. Mais comme un aveugle, j'insiste, je fonce sans vigilance. À 18 ans, je commence à comprendre le monde et j'apprends déjà un futur beaucoup trop quelconque. J'ai 20 ans, cheveux au vent, et je me dis que j'ai tout mon temps. Mais je n'ai plus le temps de mes 25 piges au compteur, de cette horloge qui file dans cet espace à une vitesse supérieure. Aujourd'hui, 30 ans passés dans un claquement de doigts, et je continuerai à poser mes textes avec vigilance, comme un porte-voix.